passé sur le dos, et après être passé sur le dos, il a poussé sur la manche et a fait tuer une ressource négative. C'est-à-dire que son sang est venu se placer massivement au niveau de sa tête et là sur la tête. Partenaire, on en profite pour le remercier, Carlos, de faire la DRC, Citroën, la solution, Safra, le marché. Alors, je vous dis que ils sont plusieurs, mais dizaines à nous avoir fait confiance pour l'organisation de ce petit carrière. Et un gros remerciement à la ville de Valence, sans le soutien de laquelle rien de cela ne serait possible. Aujourd'hui, au niveau du meeting aérien de Valence-Chabeuil, on retrouve différents éléments tout à fait étonnants, parmi lesquels de nombreux hélicoptères, mais là, je suis en présence de François Merle, et lui, il est responsable. Le PNH, c'est au tour du Caracal de se présenter sur votre droite, car oui, les commandos ont exfiltré le VIP de la zone de menace, mais eux sont toujours sur place. Il faut donc leur venir en aide, les exfiltrer à leur tour. D'ici quelques secondes, une manœuvre absolument époustouflante. On a vu l'avantage de la petite en station au-dessus du commando. Ce que nous allons voir, on ne le voit plus dans les films ou bien une opération extérieure. Et pourtant, on va le voir en direct ici sous vos yeux, une remontée en grappe. Les soldats récupèrent le bas de la droite. Ils vont tous s'arracher avec leurs mousquetons sur la droite et là aussi. On n'a pas besoin de compter très longtemps pour qu'ils soient tous partis. Les soldats sont maintenant... Je suis donc avec le lieutenant-colonel Jean Mathieu, pilote pour l'aviation légère de l'armée de terre. Mon colonel, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Ce qu'on vient de voir, c'est un pur extrait de vous. Merci pour les personnels de l'aviation légère de l'armée de terre. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci.